Bonjour tout le monde, bienvenue sur chaîne Cuisine Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette aux courgettes, à la fois simple et raffinée. Bien sûr, très très facile à réaliser. On commence, j'ai pris un oignon, je le coupe finement. Ensuite, je le cuis dans une poêle dans laquelle j'ajoute un peu de l'huile végétale pendant quelques minutes, sur feu moyen. Pendant ce temps, je prends les courgettes, je les ai bien lavées, je les coupe en rondelles. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres légumes de votre choix, comme par exemple les pommes de terre, le chou, ou bien un mélange de ces légumes selon ce que vous avez. Vous trouverez également diverses recettes de ce genre parfaites pour le déjeuner ou pour un dîner, toujours faciles à réaliser sur ma chaîne, je vous invite à les découvrir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Une fois terminé, je les place dans un plat qui va au four que j'ai badigeonné avec un peu de beurre et pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais les assaisonner avec un peu de sel et de poivre, puis avec quelques feuilles du thym sec ou bien les herbes de votre choix. Puis j'ajoute au-dessus les oignons cuits. Puis, dans un bol, je râpe une goustaille et je casse les trois œufs. Puis, un pot de yaourt nature de 110 g sans sucre. Vous pouvez utiliser à la place la crème fraîche liquide. J'ajoute un peu de sel, de poivre et quelques feuilles de thym et je fouette manuellement cet appareil. Je verse cet appareil au-dessus et c'est parti au four préchauffé à 180 degrés pour une cuisson d'environ 25 à 35 minutes. Mais avant de l'enfourner, je couvre le plat d'un papier cuisson puis d'un autre aluminium. Ça sera bien cuit à l'intérieur et très très vite. Après la sortie du four et encore chaud, je râpe le fromage au-dessus et c'est facultatif. Ici, j'ai utilisé le fromage mozzarella. Vous pouvez utiliser le fromage edam ou bien n'importe quel fromage de votre choix. Je le mets de nouveau au four préchauffé juste pour faire fondre le fromage. Et voilà, elle est prête. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, si c'est le cas. Et si vous appréciez ce genre de recette, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage. Je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement.